Ils sont au total cinq grands responsables de gangs spécialisés dans le vol d'enfants et autres objets. De redoutables brigands dont l'âge varie entre 24 et 64 ans. Reconnaissables à des petits noms tels que Gunman, Chop Dai, Général Nopiti, Master Planner, entre autres, ils ont été présentés aux autorités et hommes des médias ce jour à Consama. Nos hommes ont démantelé un réseau de trafiquants de bébés. Vous comprenez bien qu'il s'agit des faits graves, donc de vol de bébés. D'après le capitaine Mebuins, Daniel Fritz, commandant de compagnie de gendarmerie du Mungo Nord, tout part d'une plainte pour vol d'enfants lors d'une veillée mortuaire au village Manengolais dans l'arrondissement de Lonako. Informé, celui-ci mobilise ses hommes et l'enfant est retrouvé entre les mains d'une dame à plus de 35 km du lieu du vol. 3 heures, je suis allé coucher l'enfant au lit. Dans la chambre de l'ami de mon petit frère, puisqu'il partage une chambre. J'ai déposé l'enfant au lit, il dormait avec l'ami de mon petit frère. Au total, un bébé de 7 mois, 3 motos, un appareil de soudure et bien d'autres effets volés à mettre à l'actif de ce gang. Ces derniers opéraient avec des armes qui ont également été récupérées dans un domicile à Bafang sous la conduite de leurs utilisateurs. Face à cette situation, la gendarmerie exhorte les populations à dénoncer des comportements suspects observés autour d'elles. Vers 10 heures, en collaboration avec le commandant de brigade des Bonins, nous avons effectué une battue dans la zone. Et sous renseignement, avec la forte collaboration de la population, parce qu'il faut le préciser, nous avons pu retrouver le bébé aux encablures des Bonins, dans un village non loin de la localité. L'appel a été lancé à l'endroit des populations victimes des vols de passer à la compagnie de gendarmerie du Mungo Nord, identifier leurs effets afin de rentrer en leur possession.